Régine Cavagnou n'a pas survécu à ses blessures. Les médecins ont annoncé son décès ce matin. Elle avait 31 ans. On entendra sa dernière interview. C'était il y a 8 jours. Afghanistan, les B-52 en action, bombardement massif sur les zones du front, un document, la vie quotidienne à Kaboul sous les bombes, images tournées par les femmes de l'association El Rawa. Sécurité, ce que sera votre quotidien demain, on fera le point sur les nouveaux droits des vigiles. Le texte donne lieu en ce moment à un débat enfiévré à l'Assemblée. Le chômage en hausse pour le 5e mois consécutif, plus 0,6%. Question, comment expliquer que dans le même temps, de nombreux postes ne trouvent pas preneur? Élément de réponse dans un instant. Contente mais fatiguée, le retour de Claudie Agnoret sur le plancher des vaches. Elle a atterri ce matin au Kazakhstan avec ses deux coéquipiers. Bonsoir à tous, merci de votre attention. On s'y attendait, l'espoir avait disparu. C'est à 9h40 ce matin que les médecins autrichiens ont constaté que Régine Cavagnou n'avait plus de fonction cérébrale. La meilleure skieuse française du moment n'a donc pas survécu à son choc avec un cadre d'une équipe allemande lors d'une descente d'entraînement. Avant d'aller à Innsbruck, un témoignage, celui d'une autre fille de l'équipe, sa plus proche camarade, Carole Montillet, qui la suivait de quelques secondes le jour de l'accident. On l'écoute. C'était vraiment une grande championne parce que je crois que c'était tout tracé dans sa tête, sa réussite au plus haut niveau sur le plan international, sa droiture. Ça fait des années avec Régine, ça fait 10 ans qu'on est sur le circuit et on passe quasiment 300 jours par an ensemble. Alors c'est sûr, il y a des moments où c'est difficile, les moments de compétition où on ne réussit pas. Mais on partage tellement de choses ensemble que ça crée des liens énormes, comme une famille. Avec les filles et aussi beaucoup avec les entraîneurs, parce que je crois qu'ils nous connaissent encore mieux que nos propres parents, connaissent vraiment nos réactions. Et Régine, moi j'avais l'impression de la connaître comme une sœur, parce qu'on passait énormément de temps ensemble. Et c'est pour ça que c'est aussi douloureux. Suite au choc, vous le savez, Régine Cavagnou avait été grièvement blessée au crâne, à la cage thoracique et au foie. Sa famille s'était rendue à son chevet dès hier, alors que les médecins étaient déjà très pessimistes à Innsbruck. On retrouve Julien Beaumont et Gilles Jacquier. Soudés, ensemble, les parents et les proches de Régine Cavagnou pour affronter la terrible nouvelle. L'émotion est également perceptible chez les membres de l'équipe médicale. La patiente est morte à 9h40 ce matin. Le dernier combat que nous avons mené, c'était cette nuit. Nous avons essayé de stabiliser la situation, mais c'était impossible. Le cerveau était trop touché. 3 jours que ces spécialistes des accidents de ski se relaient autour de Régine Cavagnou. 3 jours qu'ils tentent de sortir la Française de son coma artificiel sans succès. Régine était une sacrée bonne femme, c'est l'hommage de Marianne Guachel, la meilleure skieuse française de tous les temps. Jacques Chirac lui souligne, je cite, sa générosité, son courage. Lionel Jospin se dit bouleversé, mais c'est bien sûr à Laclusaz, son village d'origine, que le chagrin est le plus grand ce soir. Sur place, Virginie Fichet, Philippe Fivet. Un des entonnements qu'il y avait. Et là on a fait la fête, on a fait la java, regardez un peu. C'est les bons souvenirs. Ah ça oui. C'est un grand souvenir, ça. C'est cette image que vous avez gardée de Régine? Oui. Elle restera là. Tant que je serai là, elle restera là. Maurice Vitoz était un supporter de la première heure. Comme la plupart des habitants, il a appris la disparition de sa championne ce matin. D'un coup, le mince espoir que chacun voulait encore entretenir s'est effondré. On a reçu cette nouvelle comme un coup d'assommoir qui met Laclusaz dans la plus grande peine. On veut dire un grand merci à Régine, qui a fait beaucoup pour Laclusaz. À l'office du tourisme, à la mairie, les gestes de soutien affluent. Des messages venus de toute la France, en hommage à celle qui avait déjà surmonté tant d'épreuves. Ce sont ces moments de victoire contre l'adversité que Gaston Cavagnou, son cousin et ancien entraîneur, retiendra avant tout. Regardez cette image-là
de battante, une fille qui, qui avait plein d'énergie. Elle avait vécu une période de vie formidable. C'est court, mais voilà, c'était sa vie, le ski. Elle aimait le ski, quoi. À présent, le village de la Clusaz se prépare à une autre épreuve, les funérailles qui devraient avoir lieu à la fin de la semaine. Régine Cavagnou avait chaussé les skis à 3 ans, début en équipe de France à 16 ans, mais elle avait souvent été blessée. Ça n'est que la saison dernière, à 30 ans, qu'elle avait connu la consécration avec ce titre de championne du monde de Super G. Elle était bien sûr notre principal espoir de médaille chez les femmes en vue des prochains Jeux Olympiques à Salt Lake City. Écoutez sa dernière interview, c'était il y a 8 jours, répondant à une question justement sur un déplacement aux États-Unis après les attentats. Elle évoquait la vie, tout simplement. La vie, elle doit continuer. Moi, j'estime que c'est sûr, c'est un peu grave ce qui arrive actuellement. Mais la vie, elle doit continuer. On doit essayer de vivre normalement. Maintenant, c'est tout dépend les événements, comment ils vont aller, s'ils vont empirer ou pas. S'ils empirent, c'est sûr que moi, je ne prendrai pas le risque de partir là-bas par rapport à ce qui se passe actuellement. Il faut vivre, il faut continuer à vivre. Hein. Je crois que si le monde ne va pas s'arrêter comme ça, j'espère pas en tout cas. Rappelons que depuis 1959, 11 champions ou championnes ont péri sur les pistes de ski, en compétition ou à l'entraînement. Et puis des nouvelles de l'entraîneur allemand, percuté par Régine Cavagnou. Il a été opéré à la colonne vertébrale. Il est toujours dans le coma, mais son état s'améliore, signalent les médecins. Plus de peur que de mal cet après-midi dans les Landes, un accident très rare et très spectaculaire, le déraillement d'un TGV, le Paris-Hendaye. La motrice de queue s'est carrément couchée sur la voie et le trafic est interrompu pour une durée indéterminée. Reportage David Bazier, Philippe Dumay. Le TGV Paris-Hendaye hors de ses rails. À 130 km/h, peu après la gare de Dax, il est 15 h lorsque subitement le train déraille. J'ai senti un choc terrible dessous. Et puis j'ai bien senti qu'on roulait sur, à côté de la voie, c'était évident. On a senti que les choses n'allaient pas, qu'il y avait déraillement. Et puis chacun a pris une attitude, moi je me suis mis en boule. Les 4 voitures de l'arrière du TGV se sont même couchées, mais l'on compte ce soir seulement 4 blessés légers. On n'avait qu'une envie, c'était de descendre et d'être en dehors du train parce qu'on avait peur qu'il se couche en fait. Pour le moment, la SNCF ne s'explique pas les raisons du déraillement. Le conducteur, lui, par contre, n'a rien vu, n'a rien aperçu, et donc ne peut pas expliquer lui-même ce qui s'est passé. Il n'a pas vu d'obstacle sur la voie. Les enquêteurs vont donc examiner la voie et le train lui-même. Le trafic Paris-Hendaye ne reprendra pas avant demain soir. Des révélations en cascade après l'accident du tunnel du Saint-Gothard qui a fait 11 morts. Hier, on apprenait que la société belge qui employait le chauffeur du camion avait été créée en août dernier seulement et ne possédait pas la licence requise. Nouvel élément aujourd'hui, le chauffeur de nationalité turque ne disposait que d'un visa touristique. Il n'était donc même pas autorisé à travailler en Europe. Sur place en Belgique, l'enquête de Cyril Devaux et Vincent Ferreira. Les camions de l'entreprise Superliner Cargo intéresse beaucoup la police fédérale belge, présente en toute discrétion cet après-midi dans les locaux du transporteur. Car c'est un poids lourd comme cela qui est à l'origine de la catastrophe du Saint-Gothard. Un des dirigeants de la société a accepté de nous recevoir. Le drame, il l'a découvert dans les journaux, nous dit-il. La justice lui reproche d'avoir loué le camion impliqué dans l'incendie à un sous-traitant sans licence légale de transporteur routier. Le chauffeur turc, mort dans l'accident, aurait conduit sans autorisation de travail. Faux, répond-il, tous les documents produits par le sous-traitant étaient en règle. Il n'est donc pas responsable. Il prend le camion et après il met son chauffeur dessus. Notre travail, c'est de voir que tous les documents officiels sont en règle. Du moment que ça est fait, lui, il met son propre chauffeur dessus. Et c'est la société Gull Transport qui est donc le patron du chauffeur. Pourtant, la ministre belge des Transports nous a confirmé qu'aucune autorisation n'avait été délivrée à l'entreprise Gull Transport. Il a été refusé la licence à la société Gull Transport. Donc le document qui vous a été exhibé par Superline est peut-être un document intermédiaire, mais il n'y a pas eu d'octroi de licence à cette entreprise. Sur la soi-disant licence attribuée par le ministère, une adresse, celle du siège social de Gull Transport à 20 km de Bruxelles. Un appartement dans une rue calme de centre-ville. Rien à voir avec un centre routier. Le patron n'est pas là, nous explique sa fille. D'après nos informations, il serait parti en Suisse ou en Turquie. Les enquêteurs attendent donc avec impatience sa version des faits.
La riposte américaine en Afghanistan avant d'évoquer les derniers bombardements. Ces images très rares de Kaboul, très rares parce qu'elles ont été tournées il y a une dizaine de jours sans l'autorisation des talibans et même à leur insu par l'association de défense des femmes Al-Rawa. On en avait parlé ici même. Images qui montrent une ville très touchée et scandalisée par les bombardements, qui montrent aussi que les chars de l'armée talibane sont toujours aux avant-postes. Commentaire Loïc de la Mornay. Ces Afghans ont du mal à percevoir les avions américains dans le ciel, mais ils entendent la déflagration de leurs bombes. Voici le quotidien des habitants de Kaboul, filmé en cachette sous sa burqa par une femme de l'association anti-taliban Rawa. La femme qui filme n'est pas journaliste, sa connaissance de la caméra est limitée, comme en témoignent les erreurs de date sur l'écran. Pourtant, ces images sont authentiques. Elles ont été enregistrées entre le 14 et le 21 octobre dernier. Une semaine de la vie à Kaboul, rythmée par les bombardements. Ici, c'est un dépôt de munitions talibans que détruisent les bombes américaines. Mais dans cette ville où les installations militaires se confondent avec les habitations civiles, la frappe chirurgicale est un concept illusoire. Ce cratère en plein quartier résidentiel semble le prouver. Cet homme raconte qu'un peu plus loin, derrière, une famille entière a été tuée. Notre reporter improvisé filme ensuite un enterrement avant de se rendre au milieu de ces décombres. Ici, indique-t-elle, il y avait trois maisons, quatre femmes et un bébé sont morts. Quand la nuit tombe, les habitants se réfugient dans ce qui reste des sous-sols. Maintenant l'hiver est là, les heures d'attente dans le froid sont encore plus difficiles. À cause du froid, je dors toute recroquevillée, mes jambes sont ankylosées, je n'ai même plus la force de les déplier. Que Dieu détruise les Américains et les talibans. Les uns comme les autres ont gâché notre vie, avant nous n'étions pas comme ça. Bien sûr, les frappes américaines touchent aussi leurs cibles, comme cette caserne taliban. Mais les populations civiles se moquent bien de savoir qui les bombarde. Aujourd'hui, elles vivent la peur au ventre et les yeux vers le ciel. Les bombardements qui continuent. Information principale aujourd'hui, les positions des talibans sur le front au nord de Kaboul ont été frappées pour la première fois par des bombardiers lourds B-52, énormes explosions suivies à la jumelle par les forces de l'Alliance du Nord. Sur place précisément, à une cinquantaine de kilomètres de la capitale afghane, on retrouve Dominique Derda, Franck Brisset. Dans la plaine de Chamali, sur la ligne de front, ils sont aux premières loges. À une trentaine de kilomètres au nord de Kaboul, Kalazai est l'une des positions les plus avancées de l'Alliance du Nord. Les talibans sont à moins d'un kilomètre. Ce matin encore, c'est du ciel que va s'abattre la foudre. À très haute altitude, le B-52 américain largue ses bombes. Sous les multiples impacts, le sol se met à trembler. Au talkie-walkie, Mohamed s'adresse à un commandant Taleb. J'espère pour toi que t'es bien caché au fond de ton trou. Non, répond l'autre. Je prends mon déjeuner. Mohamed et ses compagnons d'armes n'ont rien à craindre. Les talibans sont trop occupés pour lancer une offensive. Alors autour de l'unique plat de riz et du bol de lait caillé, chacun se laisse aller à rêver à l'après-guerre. J'espère, enfin, si Dieu le veut, qu'il y aura bientôt la paix en Afghanistan. J'espère, mais c'est lui qui décide. Le jour où enfin les armes se seront tues, je retournerai dans ma ferme pour travailler la terre, ou alors je trouverai un petit boulot dans un magasin. Il est temps que les étudiants retournent en classe, que les commerçants retrouvent leurs boutiques, les paysans leurs champs, les bouchers leurs étals. Voilà, moi, c'est tout ce que je demande. Après 22 ans de guerre, la paix, ils n'osent encore y croire. Mais à mesure que se succèdent les vagues de bombardements aériens, ils finissent par se convaincre que les talibans ne tiendront plus longtemps. Que bientôt, dans Kaboul libéré, on les accueillera en héros. En ce qui concerne les soldats américains au sol, dont la présence a été reconnue officiellement hier, l'agence France-Presse estime ce soir leur nombre à une quarantaine. Cette opération, ces bombardements rencontrent de plus en plus de scepticisme en Europe, si l'on en croit les enquêtes d'opinion. Dernier sondage en France, 51% des personnes interrogées les approuvent, selon l'Institut CSA, enquête réalisée pour La Croix. Ils étaient 66%, donc 15% de plus il y a une quinzaine de jours. Aux États-Unis, le soutien à George Bush, lui, n'a pas fait
affaibli. George Bush qui a voulu montrer l'exemple face aux dernières menaces d'attentat. Malgré l'alerte, le président américain a donné le coup d'envoi d'un match de baseball en plein cœur du légendaire Yankee Stadium. Sur place, Étienne Lénard, Aaron Diamond. L'opération de communication avait été soigneusement préparée. 60 000 personnes n'attendaient hier soir qu'une seule vedette. The President of the United States. Dans un blouson aux couleurs du département des pompiers de New York, le président américain était donc venu donner le coup d'envoi de la grande finale de la saison de baseball. Le baseball, George Bush adore et la foule le lui rend bien. Mais retransmise en direct sur toutes les télévisions du pays, ce lancer plutôt réussi, jugeront les spécialistes, était surtout un symbole. USA, USA, la nation faisait corps derrière son président, comme pour dire que la vie continuait et qu'aucun terroriste n'empêcherait jamais une finale de baseball de se dérouler. Une banderole prétendra dans le stade que les États-Unis n'ont peur de personne. Le responsable de la police annoncera, lui, en coulisses, que 1200 officiers avaient été mobilisés pour la seule occasion. Oui, ailleurs aussi, les précautions sont bien réelles. Exemple avec la fête d'Halloween, célébrée en ce moment même. Le cœur n'y est pas tout à fait tout de même. Reportage Isabelle Béchler, Tristan Lebras. Sécurité ultra renforcée dans tous les points sensibles de New York, comme la gare centrale. La convergence de Halloween, de la pleine lune et de menaces terroristes réitérées réclame plus de forces de l'ordre. Le gouverneur a même décidé de munir d'armes au plus vite les réservistes de la garde nationale qui pour l'instant ne font que de la présence dissuasive. Pour la parade de ce soir, placée sous le signe du phénix, l'oiseau qui renaît de ses cendres, les costumes de pompiers font un tabac absolu. En ce jour des morts, on rendra plutôt hommage à ceux qui ont sauvé des vies et à des symboles de cohésion nationale comme la Statue de la Liberté ou l'Oncle Sam. Tous les costumes aux couleurs du drapeau américain ont déjà été vendus. C'est de la symbolique pure. Je veux juste être patriotique. Quant à Ben Laden, le propriétaire du magasin l'a installé sur la chaise électrique, ni plus ni moins. Je ne veux pas que les gens portent le masque de Ben Laden pour le glorifier. Je le vends seulement aux clients qui veulent l'insulter, le salir. La combinaison anti-armes chimiques est un des succès du jour, en trax oblige. Mais la palme revient au maire qui vit les dernières semaines de son mandat. Ça, c'est notre meilleure vente. Rudolph Giuliani, 26 euros. On est en rupture de stock. Les masques les plus sanguinolents, les plus gores, qui cristallisent habituellement toute la valeur d'exorcisme de Halloween, seront remisés pour excès de réalisme. La tragédie est encore trop fraîche à l'esprit de chacun. Oui, la fête un peu gâchée et les mesures de précaution donc d'autant plus qu'il y a un nouveau motif d'inquiétude à Washington. 6 hommes qui détenaient les plans d'une centrale nucléaire et qui transportaient apparemment des cutters ont été interpellés puis relâchés. Étienne Lénard, apparemment le FBI est furieux et inquiet. Oui David, c'est un incident qui témoigne en tout cas singulièrement du manque de coordination entre les différentes agences américaines. Ces 6 hommes voyageaient dans 2 voitures différentes ce week-end dans le centre des États-Unis. On ne sait pas encore dans quel état exactement. De type moyen-oriental, ils étaient porteurs de passeports israéliens. Ils transportaient des cutters, donc des photos et les plans de la centrale nucléaire de Turkey Point. Cela se trouve en Floride, tout près de Miami. Ce sont les services de l'immigration qui les ont interpellés. Leurs papiers étaient en règle, ils étaient rentrés légalement sur le territoire américain. Ils ont donc immédiatement été relâchés sans que le FBI, qui est l'autorité de police compétente en matière de lutte antiterroriste, ait été prévenu. Alors évidemment, ils sont aujourd'hui introuvables. Les enquêteurs pensent qu'ils sont repartis vers le Canada. Et le ministre de la Justice, John Ashcroft, est furieux parce que d'un côté, eh bien, il s'époumonne pour que l'Amérique reste en état d'alerte maximale et que de l'autre, donc, les services de l'immigration ont fait preuve au mieux d'une incontournable négligence. Merci Étienne. Nouvelle inquiétante aussi sur le front du charbon. La New-Yorkaise, employée d'un hôpital dont le cas a été signalé hier, est morte ce matin. Le mystère demeure sur les motifs de sa contamination. Delphine Orwiller. Cathy Nguyen travaillait dans cet hôpital. Âgée de 61 ans, elle est décédée ce matin de la maladie du charbon. Pourtant, elle n'aurait apparemment jamais été en contact avec un courrier suspect. Les lettres contaminées reçues aux États-Unis contiennent le germe de la maladie sous une forme particulière appelée spores. Les spores sont très résistantes et extrêmement fines, larges de quelques millièmes de millimètre. Elles seraient donc capables de s'infiltrer partout, de s'échapper d'enveloppes volontairement mal cachetées, bref, de se disperser pour contaminer d'autres personnes. Un contact direct avec la poudre n'est pas nécessaire, puisqu'il peut y avoir une transmission par un objet ou par quelque chose qui sert d'intermédiaire, que ce soit une personne ou un objet, entre la partie polluée et la personne en question.
Un laboratoire autrichien prétend aujourd'hui avoir découvert un désinfectant contre le bacille du charbon. Certains centres postaux américains prévoient, eux, d'installer des scanners très coûteux, capables de stériliser le contenu du courrier. En attendant, en cas de contact avec une poudre suspecte, par la peau ou par inhalation, reste une seule réponse, la prise d'antibiotiques à titre préventif. Dernier élément à propos des attentats et de l'Afghanistan, ces informations de Radio France Internationale et du Figaro. Oussama Ben Laden aurait été soigné à Dubaï en juillet dernier à l'hôpital américain. Un représentant de la CIA l'aurait même rencontré à cette occasion. Information catégoriquement démentie aujourd'hui par l'hôpital en question. Bernard Lebrun. Assassiné par des terroristes. C'est ainsi que le FBI lance la campagne d'arrestation de Ben Laden, prime de la police 5 millions de dollars. Et pourtant, juillet 2001, Ben Laden rencontre la CIA à Dubaï, selon le Figaro. Les faits, Oussama Ben Laden aurait quitté secrètement le Pakistan le 4 juillet pour se faire soigner aux Émirats pendant 10 jours. Pas n'importe où, dans cet hôpital américain par un urologue américain. Malade, à 44 ans, Ben Laden souffrirait de calculs rénaux et d'insuffisance rénale. Voici l'auteur de cette enquête. Il affirme qu'un responsable local de la CIA aurait rendu visite à Ben Laden dans sa chambre. Il faudra encore vérifier si cette visite a eu l'aval de la hiérarchie, puisque le responsable local de la CIA de Dubaï a quitté Dubaï le 15 juillet, c'est-à-dire quelques jours après cette rencontre, pour rentrer aux États-Unis. Pas de commentaire à Langley au siège de la CIA, mais selon un ancien patron de l'antiterrorisme, toujours bien informé, c'est impossible. D'abord, Ben Laden n'est pas allé à Dubaï, en tout cas pas depuis 6 ou 8 mois. S'il était sorti d'Afghanistan et s'il avait rencontré un agent américain, il aurait été interpellé parce que nous avons un mandat d'arrêt à son encontre. Une certitude, les problèmes de santé de Ben Laden. Et il est vrai qu'il ne semblait pas en grande forme lors de sa dernière apparition télé le 7 octobre dernier. Les autorités émiraties n'ont pas réagi à l'heure qu'il est, les autorités américaines non plus. En bref, le Proche-Orient, 4 morts aujourd'hui côté palestinien, 2 membres du Fatah et 2 responsables du Hamas, abattus à Tul Karem en Cisjordanie. Palestiniens et Israéliens qui se disent prêts à reprendre les négociations ce soir. Yasser Arafat réclame au préalable le respect des résolutions de l'ONU. En France, jour J pour le projet de loi sur la sécurité au quotidien. Rappelons que ce texte est en préparation depuis longtemps, mais qu'il a été complété et durci suite aux récents événements. En voici les dispositions les plus discutées. La possibilité pour la police de fouiller les véhicules, de procéder à des perquisitions lors des enquêtes préliminaires, l'interdiction des attroupements gênants dans les immeubles, on y reviendra un peu plus tard, et la déclaration préalable pour les rêves, et aussi les nouveaux droits des vigiles privés. Des palpations seront désormais autorisées si elles sont effectuées sous contrôle. Alors ce qui vous attend au quotidien, ce qui va changer, explication Thomas Dandois, Marie Cazot. Allez-y. Voilà, c'est bon. Pour entrer dans ce musée aujourd'hui, quelques secondes de contrôle suffisent. On fait ouvrir à la personne le sac et après, nous, on voit à l'intérieur sans mettre les mains. C'est interdit, ça. Mais à l'avenir, ce genre de contrôle risque de durer plus longtemps. Les agents de sécurité, autrement dit les vigiles, pourraient non seulement fouiller les sacs, mais aussi faire des palpations de sécurité. Une mesure très modérément appréciée par le public. Ça me gêne beaucoup, moi, comme touche, comme... Je sais pas, j'ai l'impression que je fais quelque chose en fait. On sera fliqué partout. Je sais pas, c'est un début, mais c'est dangereux. À partir du moment où c'est pour la sécurité, je pense qu'on peut peut-être accepter certaines choses momentanément, on va dire. Tous les vigiles ne seront pas habilités à procéder aux palpations. C'est le préfet, après enquête, qui délivrera individuellement les autorisations. Des précautions qui ne suffisent pas jusqu'à présent à rassurer les professionnels. Les risques seraient à défaut d'une habilitation très sérieuse et d'un encadrement par les officiers de police judiciaire, l'existence de pratiques marginales, non contrôlées et qui seraient de nature, bien évidemment, à provoquer des dérapages, notamment dans la relation avec les citoyens. Tous les lieux publics, dont les stades et les grands magasins, sont ainsi susceptibles de renforcer leurs contrôles. Des contrôles non obligatoires, précise la loi, mais la règle est simple, le client qui ne s'y soumet pas ne rentre pas. Hier, on évoquait plus en détail l'interdiction des attroupements gênants, entre guillemets, dans les cages d'escalier. On revient sur cette disposition, l'une des plus controversées. Gilles Marinet et Sylvain Daubat ont assisté à un dialogue impromptu, précisément dans l'un de ces espaces communs, à Ris-Orangis, dans l'Essonne. L'entrée de cet immeuble est équipée d'un digicode. Pas de problème, les jeunes savent ouvrir la porte. Aucun ne vit ici, mais le hall est vaste, l'endroit parfait pour se regrouper. Les salles municipales, ils n'en veulent pas, synonyme de discipline.
Il y a des lois quoi, à respecter, il y a certaines choses à respecter, donc faire pas trop de bruit, choses comme ça. Et les jeunes, quand ils sont entrés, ils préfèrent plutôt être dans un hall. Ici aussi, il y a une loi. Il y a une loi, mais ici, ils ont le choix de ne pas la respecter par rapport aux autres endroits. Pas de surveillance, donc pas de regard indiscret sur les trafics. Les locataires préfèrent souvent détourner la tête, même s'ils n'en pensent pas moins. Quand il y a des jeunes de l'extérieur qui viennent ici, on n'apprécie pas tellement. Voilà. C'est tout. Le bruit aussi. Le bruit. Mais les gens sont très gentils. Quand on leur dit d'aller ailleurs, ils y vont. Faut pas dire. Vous arrivez à discuter avec eux? Avec eux. Peu d'habitants, en fait, vivent aussi sereinement l'invasion des immeubles. Pour calmer leur anxiété, faire cesser le bruit, ils appellent la police. Souvent, l'intervention est délicate. L'idée de généraliser l'évacuation des halls d'immeubles paraît irréaliste à la plupart des policiers. Voulez-vous gérer un groupe d'une vingtaine de jeunes quand les seules forces de police que vous pouvez envoyer sont, dans les 10 minutes, un équipage police-secours, trois fonctionnaires? C'est pas parce qu'il y a un texte, il faut le dire clairement, c'est pas parce qu'il y a un texte qu'on va envoyer trois fonctionnaires au casse-pipe, il n'y a pas d'autre terme. Dans les réticences policières, il y a la question des moyens et une grande inquiétude sur les conséquences d'interventions quotidiennes. Dans les cités, l'équilibre est précaire. Policiers, éducateurs estiment que l'application systématique de certains textes pourrait le rompre définitivement. Oui, ces nouvelles mesures, en tout cas, suscitent l'inquiétude des associations de défense des droits de l'homme, mais aussi d'une partie de la majorité, les Verts notamment. La droite, elle, voulait aller plus loin. Compte rendu des débats assez animés aujourd'hui à l'Assemblée. Philippe Boisserie, Claude Barnier. Vous y viendrez, monsieur Drey. Vous y viendrez dans 6 mois. Dans 6 mois, au moment des élections. À voir les quelques escarmouches opposant droite et gauche, on pourrait penser que la sécurité reste un débat aux idéologies bien tranchées. Pourtant, à y regarder de plus près, lorsqu'il a fallu voter proposition par proposition, les oppositions n'étaient pas toujours là où on les attendait. Nous approuvons les mesures de renforcement des moyens donnés à la police et en final, nous voterons contre l'ensemble du texte. Pourquoi ? Parce que justement, il est incohérent, il ne va pas assez loin. La vraie divergence, il fallait la chercher à gauche entre les socialistes et les Verts, notamment sur les amendements antiterroristes proposés par le gouvernement. La gauche ne s'honore jamais en allant chasser sur les terres de la droite et de la droite de la droite. Et c'est ce qui est en train de se passer. Je trouve profondément choquant qu'on qualifie ce projet de loi de liberticide. C'est très grave d'employer ce mot. La gauche a fait beaucoup de réformes qui garantissent le droit. Mais le droit, garantir le droit n'est pas contradictoire avec garantir la sécurité. Avec des Verts votant contre, la gauche plurielle perd un allié. Mais elle retrouve dans son giron un Jean-Pierre Chevènement pour une fois en accord. Comme les communistes ont choisi de s'abstenir, Daniel Vaillant a donc vu son texte adopté ce soir, aussi bien sur la sécurité quotidienne que sur les amendements antiterroristes et petite satisfaction supplémentaire sur l'autorisation préalable des rêves partis. Oui, adoption définitive du texte il y a 20 minutes maintenant. À l'Elysée aussi, on veut montrer que ce dossier de la sécurité est prioritaire. On a appris aujourd'hui la désignation comme chargé de mission sur ces questions de Philippe Massoni, ancien préfet de police de Paris. Et puis à propos de délinquance et de criminalité, on a appris l'ouverture d'une enquête pour des faits assez incroyables. Le tribunal de Bobigny servirait de plaque tournante à un réseau de prostitution impliquant des mineurs étrangers. Des rabatteurs seraient régulièrement postés à la sortie du tribunal pour embrigader les jeunes clandestins. Selon les spécialistes, le réseau serait très actif aussi dans les aéroports où arrive un grand nombre de sans-papiers. C'est l'enquête de cette édition. Elle est signée Anne Guéry et Sébastien Maloiseau. Aéroport de Roissy. C'est là que chaque jour, des enfants débarquent. D'Afrique ou d'ailleurs, anonymes sans-papiers. À peine arrivés sur le sol français, c'est là que les premiers vont disparaître. Bon, il y a eu des chiffres qui ont circulé concernant l'année 2000, bon, qui parlait de 800 mineurs. Il y en avait à Roissy hein, uniquement, il y en avait que 120 connus au niveau du tribunal pour enfants. Ça veut quand même dire qu'il y en a environ 600 dont on ne sait pas trop où ils sont passés. L'histoire de ce jeune Sierra Léonais nous donne un début de réponse. En août de l'année dernière, il a 17 ans, il débarque à Roissy. La police de l'air et des frontières le garde 2 jours en zone d'attente et puis on le lâche en pleine nature. Maintenant, ils m'ont mis dans les voitures de police, ils m'ont envoyé à l'aéroport. Ils m'ont donné ça avec un papier encore chef conduit. Ils m'ont donné ça, ils m'ont dit d'accord, à partir de maintenant, tu es libre d'aller. C'est ça la première faille. Ce sauf-conduit qui va lui permettre de faire une demande d'asile.
Mais le garçon ne parle pas français, il n'a pas un sou en poche et on lui demande de se présenter à la préfecture de son domicile dans un délai de 8 jours. Ainsi, il sera lâché dans l'aérogare, livré à lui-même. C'est la Croix-Rouge qui va le récupérer dans la rue au bout de 2 jours. D'autres n'auront pas cette chance. Il y a des réseaux mafieux qui sont à l'œuvre et qui récupèrent ces jeunes pour les inscrire dans des réseaux de prostitution. Et donc ça, ce n'est pas acceptable dans un pays comme le nôtre. Et il faut resserrer le filet de protection autour de ces jeunes. Elles sont apparues sur le trottoir parisien il y a un an. Des prostituées à l'évidence très jeunes. Des mineurs, selon des associations qui en dénombrent 80, elles se disent toutes sierra-léonaises. Faut-il faire le lien entre les jeunes qui disparaissent et elles que l'on retrouve sur le trottoir? La question hante avocats et magistrats qui reconnaissent que si des mineurs disparaissent à Roissy, d'autres s'évaporent aussi au tribunal, dans la salle d'attente des juges. C'est les soupçons qu'ont certains magistrats, greffiers, avocats sur la présence à Roissy, autour de la zone d'attente, ou à la sortie de la zone d'attente, la présence ici au tribunal d'un certain nombre de personnes qui se présentent comme de vagues cousins ou de vagues oncles et qui en réalité sont des passeurs. Des passeurs ou des proxénètes. Pour ce juge, il est urgent de créer un centre d'accueil pour les mineurs étrangers à l'endroit même où ils arrivent, c'est-à-dire à Roissy. Là où il faudrait identifier chaque enfant et lui assurer sur le champ une protection contre les trafiquants en tout genre. La Corse et ce revirement de la justice, le procès du préfet Bonnet pour l'incendie des paillotes, prévu le 19 novembre, pourrait finalement être dépaysé pour des raisons de sécurité. Il n'aurait donc pas lieu à Ajaccio. C'est en tout cas ce que demande le procureur général de la Cour de cassation, Stéphane Bretner. Le tribunal d'Ajaccio avait tout prévu pour accueillir ce procès. De nombreux travaux, des mesures de sécurité exceptionnelles et une protection rapprochée des 8 prévenus. Aujourd'hui, tout pourrait être remis en cause. Jean-François Burgelin, procureur général près la Cour de cassation, a requis le dépaysement du procès, c'est-à-dire sa tenue hors de Corse. Le magistrat estime que sur l'île, les prévenus ne pourront pas être suffisamment en sécurité, surtout après les nombreux attentats de ces derniers mois. Jean-François Burgelin donne donc raison à Bernard Bonnet. Pour l'avocat de l'ancien préfet de Corse, il est impensable d'être jugé à Ajaccio. Je veux pouvoir librement circuler à Ajaccio ou à Bastia avec mon client pour aller au palais de justice à pied ou en prenant le bus ou en prenant le taxi ou que sais-je. Ça n'est pas assuré. On nous dit justement il faudrait que vous ne restiez pas en ville. Il faudrait que vous alliez loger à Porticcio parce qu'au moins on pourrait sécuriser l'endroit. Mais qu'est-ce que ça, à quoi ça rime? La Cour de cassation doit se prononcer mercredi prochain. Si le procès des paillotes est dépaysé, il sera repoussé de plusieurs semaines. Mais à quelle date? Avant ou après l'élection présidentielle? À propos des régions, l'inquiétude des mouvements autonomistes en Bretagne, le Conseil d'État a décidé de suspendre l'intégration des écoles d'Iwan, donc en langue bretonne, au sein des écoles publiques. Intégration qui avait été décidée par Jack Lang. Et puis, décision vivement dénoncée par les associations anti-sectes, décision de la Cour de cassation cette fois. Elle estime qu'envoyer un enfant de 6 ans en Inde pour y recevoir l'enseignement du mouvement Sahaya Yoga ne constitue pas pour les parents un délit de soustraction à leurs obligations. Ce mouvement d'obédience hindouiste est classé comme secte par le rapport parlementaire qui fait référence. Économie, les clignotants mondiaux sont au rouge. Pour la première fois depuis 8 ans, le produit intérieur brut américain a reculé au troisième trimestre, moins 0,4% en rythme annuel. En France, vous le voyez, nouvelle hausse du chômage, plus 0,6% en septembre, cinquième hausse consécutive. Il y a 13 100 demandeurs d'emploi en plus, le taux est de 9,1%. La question que nous nous posons ce soir, comment expliquer alors que de nombreux emplois ne trouvent pas preneur? On pense aux infirmières, aux informaticiens ou encore aux ouvriers agricoles où les pénuries sont régulièrement signalées. Parfois même ce paradoxe est constaté à l'intérieur d'une même entreprise. Voici l'exemple d'Air France. La compagnie supprime des emplois. En même temps, elle a du mal à recruter. Peggy Leroy, Guillaume Foutra. Après décision, il s'avère que l'entreprise ne pourra pas vous maintenir à échéance de votre contrat parmi son personnel. Cette lettre, Florent Vigier ne s'attendait pas à la recevoir. Quelques mots de la direction d'Air France pour lui dire que son CDD ne sera pas renouvelé. Depuis 8 mois, Florent était agent d'escale. À l'issue de son contrat, il espérait vraiment une embauche dans la compagnie. On a quand même un mois et demi au total de formation. Pendant 6 semaines, on ne travaille pas, on est formé.
Donc c'est quand même assez lourd aussi, je pense, comme gestion pour la compagnie. Donc ils nous font aussi penser que l'on va être confirmé à la fin, à moins d'être vraiment incompétent. Mais là, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas puisque ses supérieurs, dans cette lettre, donnent un avis favorable à son intégration. Mais depuis les attentats du 11 septembre, Air France a décidé de geler près de 1500 embauches. Celle de Florent en fait partie. En revanche, la compagnie n'a pas l'intention de remercier si vite Stéphane et Laurent. Ils sont en première année de contrat d'apprentissage et pourtant, ils travaillent déjà sur des avions prestigieux. C'est pas donné à tout le monde de pouvoir travailler sur Concorde, donc je pense que c'est un peu un rêve. Mais la vocation de Laurent est trop rare. Air France peine à trouver des mécaniciens. Le marché est étroit et c'est vrai que ce sont des métiers de technicité importante. Et pas forcément beaucoup de vocations, pas forcément beaucoup de jeunes qui cherchent à rentrer dans ce genre de métier manuel, mais de grosses responsabilités. Dès aujourd'hui, 270 jeunes sont en apprentissage. Air France pense en embaucher une centaine l'année prochaine. En bref, nouvelle cure d'austérité à Alcatel, 10 000 nouveaux emplois supprimés en Europe qui s'ajoutent aux 23 000 départs déjà annoncés. On ignore le chiffre en France. Nous essaierons d'éviter les licenciements secs, dit le PDG Serge Turuc. Déblocage de la situation à Bata, les deux cadres de la direction de l'usine de Mousset en Moselle ont été relâchés après deux jours de séquestration. Les salariés souhaitaient négocier une réduction des licenciements prévus à l'occasion du plan social, mais ce soir, ils se disent extrêmement déçus. On les écoute. On leur laisse tout, on leur donne tout et ils nous donnent rien du tout en échange. L'avenir de Bata, c'est zéro, c'est fini Bata en France. Même à l'heure actuelle, c'est fini. La chaussure en France, elle est... il n'y en a plus pour moi. 875 emplois dans cette usine. La semaine de tous les dangers sur les routes, cette semaine de la Toussaint est traditionnellement l'une des plus meurtrières de l'année. Un mot d'abord de la disparition des gendarmes en carton dont nous vous parlions récemment. Ils étaient installés sur l'autoroute A20 en Haute-Vienne. Disparition suite, je cite, aux commentaires ironiques ou déplacés des médias, déclare la gendarmerie, qui estime surtout peut-être que l'effet de confusion ne joue plus pour les automobilistes. Les gendarmes qui renforçaient les contrôles aujourd'hui dans le nord près de Lille. Reportage Anne Mourgue, Dominique Massé. Voilà, en direct. La voiture prend la ligne continue. Donc on va intercepter ce véhicule sans clignotant. Et une infraction de plus. Autoroute A27, à la sortie de Lille, les premiers départs du week-end. À bord d'une voiture banalisée, ces deux policiers traquent les contrevenants. Vous pouvez présenter les papiers du véhicule, s'il vous plaît. Franchissement de ligne continue, excès de vitesse, pas de papier. L'addition est corsée, 1500 francs d'amende, 3 points de moins sur le permis. Et vous savez que c'est dangereux ? Ouais, je sais bien. Pourquoi vous l'avez fait ? Bah, pour... je sais pas. Pour éviter, quoi, pour pas faire un détour, en fait. Les policiers ne sont pas surpris par ce type de comportement. Sur cette portion d'autoroute, un accident par jour, souvent mortel, et beaucoup plus le week-end de la Toussaint. Donc ici, on a une zone limitée à 70. Donc l'ambulance qui circule devant nous est environ à 100 km/h compteur. En moins de 3 minutes, ils constatent 10 infractions. Depuis quelques semaines, les conducteurs se relâchent au volant. Cet après-midi, c'est encore plus flagrant. Alors lui, il n'a pas de ceinture. Et ce n'est sans doute pas l'effet du hasard. On arrive à une période où on parle d'amnistie. Je pense que faut bien regarder les choses en face. On a une recrudescence des accidents mortels. Ce soir, comme tout le week-end, les contrôles vont être renforcés. Depuis le début de l'année, on compte déjà plus de 5500 morts sur les routes. Beaucoup plus rapide et beaucoup moins dangereux, semble-t-il, mais assez fatigant quand même. Le retour sur Terre de Claudie Aigneret et de ses compagnons après 10 jours de mission Andromède. Claudie Aigneret, toujours aussi enthousiaste à son arrivée dans les steppes du Kazakhstan. Patrice Pelé. Avec les Russes, le retour sur Terre se termine toujours de la même façon, au bout d'un parachute. 6 heures ce matin, le Soyouz se pose dans la steppe kazakh. Problème, la capsule est couchée. La sortie de l'équipage va donc ressembler à un véritable accouchement. Claudie est extirpé dans des conditions difficiles. Ses premiers mots. Ensuite, c'est la signature sur le Soyouz. Une façon de laisser son empreinte pour l'histoire. Ces 10 jours dans l'espace, pour le compte du CNES, se sont donc bien déroulés. La Française est heureuse.
On a accumulé plein de choses pendant 10 jours et maintenant on a envie de les partager. Donc pour l'instant, c'est sur ça que je fonctionne. Moscou, ce soir, ils sont tous là pour l'accueillir. Dans la foule, une enfant au regard plein de tendresse, Carla, la petite fille de Claudie Agnuret. C'est l'un des derniers grands trésors religieux de l'Europe romane, le trésor de Conques. Il est d'habitude préservé par les habitants de ce petit village de l'Aveyron. C'est la troisième fois depuis 1000 ans qu'il est exposé à Paris. Ça se passe bien sûr au musée du Louvre à partir du 2 novembre. Daniel Wolfrom, José Boulestex. À première vue, rien d'extraordinaire. Une procession comme les autres et une relique portée par des fidèles. Pourtant, la statue dorée sous sa chape de plexiglas est un des plus grands trésors de l'Europe romane. Sainte Foix, martyr à 12 ans décapité par les Romains en 3e siècle, et vénéré depuis. Ses restes, son crâne plutôt, sont pieusement conservés à l'intérieur de ce reliquaire, étincelant d'or et de pierreries. Sur la route de Compostelle, les pèlerins ne manquent jamais de déposer leur obole au pied de la petite sainte. Et chaque année depuis 1000 ans, le jour de la Sainte Foi, l'abbatiale de Conques et ses fidèles célèbrent leur patronne. Autre célébration plus laïque, celle-là, des milliers de visiteurs sont attendus au Louvre pour découvrir Sainte Foi. C'est très barbare en un sens, elle est hiératique, elle est massive, mais elle est aussi extrêmement inquiétante. Elle n'a pas l'air très gentille. En fait, Sainte Foy était une adolescente et vous n'avez pas du tout là l'image d'une adolescente. Vous avez là l'image d'une sainte en majesté. Sous le regard bleu de la jeune fille, impressionnante comme si elle surveillait elle-même son trésor, bien d'autres pièces inestimables. Le décor de ce panneau nous ramène à la fin de l'époque carolingienne. Autre reliquaire, à l'aspect curieux d'une lanterne, ou celui-ci encore, en forme de A, légué, dit-on, à l'abbaye par l'empereur Charlemagne. Sport avec cette nouvelle médaille d'or en escrime pour la France, médaille d'or du fleuret messieurs, tenante du titre. La France a battu la Pologne 45 touches à 38. Le retour mitigé de Michael Jordan avec le premier match de la saison NBA. Son équipe des Washington Wizards a perdu hier soir au Madison Square Garden 93 à 91 contre les Knicks de New York. Après 3 ans d'absence, Air Jordan a déçu, entre guillemets, en ne marquant que 19 points. Et puis un rappel en football avec la victoire de Nantes 1-0 contre la Lazio de Rome en Ligue des Champions. But de l'attaquant Pierre-Yves André. Un nul suffisait aux Nantais pour se qualifier pour le deuxième tour. Ils ont donc gagné contre tout de même le vice-champion d'Italie. Fin de cette édition, je vous en rappelle les principaux titres. Régine Cavagnou n'a pas survécu à ses blessures. Les médecins ont annoncé son décès ce matin. Elle avait 31 ans. Et puis le chômage à la hausse pour le 5e mois consécutif, plus 0,6%, 9,1% pour le taux de chômage en France. À suivre la météo, Isabelle Martinet suivie du point route Yves Carra. L'info sur France 2, minuit 50, Laurence Piquet, le dernier journal. Demain dès 6h30, Télématin, invité des 4 vérités, Michel-Édouard Leclerc. 13h, Daniel Bilalian. Et demain à 20h, vous retrouverez Antoine Cormerie. On se quitte avec des images d'Halloween, cette fois en France. Très bon week-end de la Toussaint, à lundi.